Bien le bonjour, on est content de vous retrouver aujourd'hui, on est à Béthune. On est à la première bourse aux reptiles d'hiver organisée par le CATFA, donc l'association qui gère un peu Béthune, pour ce qui concerne la terrariophilie. Et regardez-moi un peu ça, on vient de faire un stand Loma Wild, on est hyper content de pouvoir être représenté ici et d'apporter notre soutien au CATFA. Et en fait voilà, nous on a fait un stand, on vend plusieurs choses, on a des photographies, on a fait des lézards, on vend aussi des goodies, des mugs et des gourdes. On vend aussi quelques lézards qu'on a reproduits nous-mêmes hein, dans la salle tropicale. Regardez, on a fait un truc, avec Jason, on était content de vous faire ça. On a recréé le salon des podcasts entre écailles et on vous a même mis la petite cheminée. Donc voilà, mais l'idée, ça va pas être trop de parler de notre stand. Ce qu'on veut faire, c'est vous présenter un peu tous les autres exposants. Allez, c'est parti! Bon, on a pris des jours et des jours à préparer tout ça, on arrive avec notre camion Loma et tout, franchement ça a pris vraiment du temps. Regardez-moi ça. Donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, on avait fait une vidéo hein, de la dernière bourse reptile de Béthune organisée par le 4 Faces, c'était en août dernier. Donc là on vous met le lien juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour, bonjour. Alors écoutez, c'est incroyable, le monde est vraiment petit, j'ai acheté un serpent à ce monsieur il y a à peine, je sais pas, quelques mois. Ouais, 3-4 quelques mois. Ouais. Alors c'est quoi ton prénom déjà? Lilian, d'accord. Et t'es venu ici pourquoi? Tu représentes quoi? Explique-nous un peu. Je représente mon établissement scolaire, enfin un lycée agricole. On forme des vendeurs en animalerie et des soigneurs animaliers entre autres. D'accord. Enfin, dans le créneau animalier en tout cas, c'est ça les formations qu'on propose. Voilà. D'accord, c'est original de trouver ça dans une bourse aux reptiles comme ça, c'est original, c'est cool. On vient à la rencontre des gens passionnés, quoi. C'est aussi mon monde à moi. Voilà, je fais d'une pierre deux coups, quoi. Plaisir. Force à toi, bonne journée. Bonne journée. Salut. Bonne bourse. Alors salut, comment tu vas? En forme? Ça va et toi? Bah moi ça va très bien, est-ce que tu peux juste rappeler ton prénom? Je m'appelle Florian. Florian, salut Florian. Qu'est-ce que tu fais ici Florian? Je vends des menthes. Tu vends des principalement menthes? Principalement avec des insectes. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? On s'était déjà rencontrés à la bourse du mois de août. Et ouais, à l'époque t'avais une Deroplatis desiccata, je suis content parce que je connais le nom. Ouais, je m'en souviens aussi, je l'ai vu sur la vidéo. Ouais, ouais c'est ça. Raconte-moi un peu ce que tu fais alors du coup, comme espèce. Bah, ici, j'ai pas beaucoup changé, écoute, j'ai des espèces qui sont un peu différentes de la fois dernière en fonction des dispos. D'accord. Donc, tu vois par exemple ici j'ai Silmeria mineralis, c'est une espèce qui est un peu particulière. D'accord, ok. Je vois que t'as de l'araignée. Qu'est-ce que tu fais en araignée? Raconte un peu. Ogna madariana et Postia lucasi, j'ai tout vendu. Excellent. Ouais. La bourse se passe bien? Ouais, ça se passe bien, c'est nickel. D'accord, ok. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, quelque chose? Mantibu sur les réseaux sociaux et mantibu.fr sur internet pour passer commande ou voir ce que je fais. D'accord, ça marche. Bah on espère te voir dans nos studios bientôt. Ouais, avec plaisir pour un podcast. Ouais, c'est ça. Allez, salut, force à toi, bonne journée. Ciao. Moi c'est Jacques Auchard, donc mon stand c'est Reptile 59. Reptile 59, ouais. Oui. Bah, ici on présente donc des Pantherophis guttatus, ouais. Du serpent des blés. On a un petit peu de Corylophus ciliatus. Ok, du gecko à crête. Gecko à crête, du gecko gargouille aussi. C'est vous qui les reproduisez? Ceci non. D'accord. Ceci non, mais sinon tout le reste c'est moi qui reproduis. D'accord, ok. Vous êtes quoi? C'est une entreprise? Vous avez non, un je suis éleveur capacitaire. D'accord, éleveur capacitaire. Voilà, je suis éleveur capacitaire professionnel, mais je ne suis pas professionnel. D'accord, ok. Vous avez des locaux des... Non, où est-ce qu'on vous trouve? C'est un centre d'élevage, on peut me joindre après sur ma carte de visite. D'accord, et les réseaux sociaux aussi? Sur les réseaux sociaux, Reptile 59 ou Jacques Auchard. Ça marche, ok. La bourse se passe bien? Très bien, très bien. Bah écoutez, comme bonne journée. Année. Merci. Force à vous. Merci. Nous sommes la petite compagnie Lone Snail. Nous sommes des experts dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Nous possédons plus de 42 morphes différentes et plus de 30 espèces, de la plus petite à la plus grande. On a des escargots plats aussi, des escargots arboricoles, terrestres. Pas d'aquatique, hein, uniquement... C'est hyper original de voir ça, je vous jure, ça attire l'œil tout de suite. Moi je suis dit, waouh, ils sont énormes en plus. Hein. Alors ceci, on est sur une des plus grosses espèces terrestres. On est sur le Marginata ovum, qui peut faire entre 500 et 1 kg pour 20 à 21 cm de coquille. Ceci, on est à 700 grammes plus ou moins. D'accord, ok, ouais, c'est génial. Les escargots sont, omnivores. Ils ont besoin de fruits, de légumes, de calcium, mais de protéines également. C'est très souvent oublié. Donc, ils consomment des œufs frais, du poulet cru, du bœuf cru, du poisson également. D'accord. On peut donner des verres de farine, tout ce qui est protéiné. Ça marche. Excellent. Bonne continuation à vous. Ben, merci. C'est beaucoup génial. D'être passé une fois. Je repasse tout à l'heure. C'est très gentil. Merci beaucoup. Moi, je suis passé aussi. Alors, moi, c'est Olivier. D'accord. Donc, en fait, je suis en mode amateur. Ouais. D'accord. Donc, là, j'ai beaucoup de cartons. En fait, c'est du surplus de mon élevage personnel. Ah ouais, ouais. Alors, c'est les surplus. Alors ça fait beaucoup de surplus. Pourquoi? Je suis un ancien, d'ailleurs j'étais un ancien du CATFA il y a plus d'une dizaine, voire quinzaine d'années. Ouais. Je faisais beaucoup d'élevage d'agame, de
Pro Bono et divers gammes un peu moins connues. Ça marche. Et à un moment donné, j'ai arrêté tout. Et le burn-out. Voilà, ouais, un peu de ça, avec le travail, enfin autre chose. Donc j'ai tout arrêté. Et à un moment donné, il y a 3 ans exactement, je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même reprendre. Mais avant, je vais faire de l'élevage du bio. D'accord. De l'argent. Donc là, c'est beaucoup de dubia, c'est voilà, ça? Bah, c'est que ça. Il n'y a que de la dubia. Que de la dubia. Mon donc Dieu. Il y a 3 ans, j'ai acheté un gros lot pour dire de commencer. C'est une production. Et puis en 3 ans, en n'ayant pas touché du tout et en nourrissant, bah, boum. Excellent. Énormément. Alors du coup, là, je me suis dit, bah, allez hop, je vais essayer de vidanger un peu tout ça. T'as une carte de visite, un truc? Moi, ça m'intéresse non, tout ça. Ouais, bah, après, je peux te donner mon adresse si tu veux. Je n'ai pas de carte de visite plus que ça. Mais ouais, voilà. Comment te contacte en fait? Je fais pas exprès pour vendre. Ah bon. D'accord, voilà. C'est juste du perso. Ah là, c'est juste du okay, perso. Ok, ça marche. J'ai récupéré les cartons même la veille, pour te dire, j'ai tout mis hier, à l'arrache, comme on dit. Ça marche, et ok. Puis, voilà. Bon bah écoute, bon courage pour la suite. Bah écoute, merci, puis à bonne plus tard. Continuation aussi. Merci beaucoup. Salut. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors là, je vends un peu mes reproductions donc de mes insectes que j'ai chez moi. Donc là, par exemple, on a de la Phidippus regius. Donc là, c'est jeune de fin d'année. Ouais. On a du cloporte, j'ai quelques espèces de blattes, la punaise assassine. Et après, je fais mon substrat pour... là, j'ai plus d'huile isobone, mais du cétoine, par exemple, du bois mort, tout ça pour les animaux. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. La bourse se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Eh bien, écoute, bonne continuation. Merci. Encore. Salut. Merci, au revoir. Bien le bonjour. Hop, positionnement micro, tac, c'est bon. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous représentez? Alors, moi, je fais principalement d'insectes. Chisomélus. Cagayan. Trop beau. Bon, alors, Jason, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? Donc là, ici, c'est l'entrée. On est rentré dans la grande salle. En fait, les stands qui étaient juste avant, c'était le hall d'entrée après l'escalier. Alors là, je vois des trucs de fou. Déjà, il y a un autre stand là-bas. Là-bas, il y a des cages. Ils ont fait une super expo. On va vous montrer ça tout à l'heure. Elles sont tellement grandes, les cages, on pourrait y mettre Jason. Moi, je trouve que j'avais proposé l'idée d'exposer Jason, mais ils avaient pas envie. Ils se sont dit que ça allait faire fuir les gens. Ah, nous, c'est un peu compliqué. On est Reptile World, en fait. Et on est regroupé à plusieurs jeunes, là il n'y a pas tout le monde. Ouais. Voilà. Et puis on vient pour la première fois sur Béthune faire une petite bourse, voilà, parce que c'est notre première. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous présentez? Oh, bon, on a apporté un peu de serpent, un peu de crabe, de gecko à crête, que Paul fait en fait, c'est une souche un petit peu Lily White, ce qu'on appelle. Ouais. Donc des choses un peu particulières. Ah, c'est voilà, y a un très travail, prisé. Voilà, c'est très prisé. Il y a des petites choses, on a essayé d'emmener des petites choses un petit peu différentes. Alors ça, c'est mon dada, ça. Hein. Ouais, les agames arboricoles, j'adore. Voilà. Acanthosaura nataliae. Ouais, c'est bon, t'es bon. Voilà. Ah ouais. C'est les petits des miens. Les Spinoza et Nathalie. Incroyable. Voilà. Incroyable. Tu vois que le monde est petit. Non, hein. Mais c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'on a les enfants de Mélésard qui sont là. Voilà. Super. Bah écoutez, je vous souhaite une méga bonne bourse. Et merci. Profitez bien. Voilà. Merci. À plus tard. On a deux entités en fait, parce qu'on a deux entités différentes pour le même endroit. On a un Péraptile Normandie donc situé près de Caen en Normandie. D'accord. Vous avez fait de la route alors? Ouais, on a fait un petit peu de route, ouais, mais enfin bon, quand on aime, on compte. C'est ça. Donc pour tout ce qui est matériel, donc à Péraptile Normandie, et moi j'ai mon élevage amateur donc au nom des Nacs d'Asgard pour tout ce qui est partie animaux. Les Nacs d'Asgard, il y a un petit côté viking et tout ça, c'est pour là-bas. Ah, je sais pas, peut-être. Peut-être, c'est peut-être ça. Ça marche, ok. Bah, comment se passe la bourse? Ça va bien? Ouais, on s'en plaint pas. Pour une bourse d'hiver, pour une première. Il y a eu du monde, il y a eu de l'affluence. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien justement dans le Nord, c'est qu'en général, il y a toujours du monde et ça, c'est formidable. Et en plus, il y a du monde, mais en plus, on est sympa. Les gens du Nord, ils sont bien. Exactement. Non, non, mais c'est vrai. Franchement, il faut dire ce qui est. Mis à part le film qui vante ces mérites-là, mais ça se concrétise réellement. C'est vrai qu'il y a franchement un très bon accueil dans le Nord. Merci, c'est cool. Et en plus, ils font de la bonne bière. Donc c'est cool. C'est ça qui est génial. Je suis bien d'accord. Oh, on a des intervenants vachement sympas. C'est la première fois qu'on fait une bourse l'hiver et franchement ça se passe bien. Moi je trouve ça génial, il y a une super ambiance ici à Béthune. Pour tous ceux qui sont jamais venus à la bourse de Béthune, franchement amenez-vous, l'ambiance est extra. Nous c'est Jurassic Nac, donc on est professionnel déjà depuis pas loin de 10 ans. Ouais. Notre corps de métier à la base c'est l'élevage, donc on élève beaucoup. On a commencé par du python, après du colubridé, bridé, là on se diversifie un peu plus sur du lézard. Et depuis quelques années, on propose aussi du matériel. Et puis voilà, quoi, on a une boutique en ligne, on vend beaucoup sur Internet, sur les bourses. On fait quasiment toutes les bourses de France. Ah ouais? Ouais. Alors c'est laquelle la meilleure bourse de France?
Attention. Ah, ouais, là c'est chaud parce que je vais mettre des joueurs à dos là. Ça commence par B et ça finit par thune. C'est ça. Alors ouais. Celle-ci marche très bien, elle fait partie du top 5 on va dire. Ouais, et puis il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est bon enfant. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation à toi et merci, ton équipe. Bah, à toi aussi hein. Bonne bourse. Allez, merci. Salut. Alors là, je suis principalement sur un stand informatif pour de la prévention et de l'information sur les tortues. D'accord. Voilà, pour okay. montrer donc un peu tout ce qui est les maladies, tout ce qui est la physionomie de la tortue, la législation aussi, principalement. D'accord. Surtout qu'elle change régulièrement, elle va encore changer bientôt, notamment au mois d'avril. Donc c'est pour ça que je montre un peu tout ça. J'aide un peu les personnes à bien maintenir leur animal, à être dans les clous au niveau de la législation. C'est vraiment bien carré. Quoi. D'accord, c'est une entreprise ? C'est associatif ? Non, particulier. Un particulier, d'accord. Particulier. Je fonctionne sur le même motif, enfin sur la même façon de faire que les associations, mais je suis sur mes fonds propres en fait. C'est moi qui gère tout, j'ai pas de choix à faire, c'est moi qui fais tous les propres choix, c'est pas de personnes derrière qui disent on vote pour faire tel ou tel truc, voilà. D'accord. Moi je fais mon budget, je gère tout seul. Un passionné quoi, ça marche. Bon bah écoute, bonne bourse à toi, merci beaucoup. Bonne balade. Salut. Alors ici on est sur le stand de Isopodmania, donc on vend tout type d'arthropodes, de l'araignée, des mantes, des phasmes, des yules, des cloportes, voilà, et tout ce qui va avec. Ok, très voilà. Bien. Tu peux me citer un peu les espèces que vous avez ? Alors, on a, je pense, 50 espèces sur la table, mais... D'accord, ok. Ouais, facile. Il y a, je pense que c'est plus facile de citer les ordres, quoi. Les araignées, les mantes, d'accord, okay, ça les marche. Criquets, les phasmes, les cétoines, les réduves, les cloportes, les yules, les escargots. Ça, c'est un criquet, ça. Ça, c'est des criquets aussi. Nous, on est des vendeurs d'arthropodes, ouais. Donc e-bugs. Ça fait 6 ans qu'on a ouvert l'entreprise. Donc, on vend un peu tout, tu vois, des mantes, des araignées, tout ce qui va être cloporte, IU, tout ça. Donc, c'est tous des insectes d'ornement, tu vois, un peu comme les poissons. D'accord. Les reptiles aussi, hein, d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. On vit de notre passion, donc c'est cool, quoi. Comment on peut vous suivre ? Les réseaux sociaux ? Alors, on a une boutique en ligne, donc ebugs.eu. Okay. Donc, hop, voilà. Facebook, pareil, e-bugs. Et réseaux sociaux, donc Facebook. On a un TikTok aussi, depuis peu de temps. Et voilà, très bien, on s'amuse bien, quoi. Ça toujours marche. Le fun, la passion, le fun. Ouais, le fun. Le fun, les gars. C'est vraiment la base, le fun. Le on fun. Est là pour le plaisir. Et ouais. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Et ben, je te remercie. Salut. Et regardez-moi un peu ce grand sourire, c'est pas magnifique ça. Et on verra ça que ici à la Bourse de Béthune, il faut venir nous voir. Alors raconte-moi un petit peu ce que tu fais là. C'est quoi ce stand? Alors bah nous qui c'est tu es bah, donc c'est Max Pogo, donc moi Alice et Maxime qui est en cuisine. Donc nous c'est des Pogona Viticeps de phase. Donc en fait voilà, vous avez l'élevage de Pogo, vous les reproduisez, on et là c'est vos jeunes en fait. C'est des jeunes, c'est ce qui nous, d'accord. Entre guillemets, ce qui nous reste de l'année passée, parce que la saison de reproduction fait que commencer. Donc, d'accord. Voilà, c'est ce qui nous reste de l'année passée. Ouais. Ça marche. Et tu fais partie aussi du staff du 4FA. Du 4FA, ouais, je suis la secrétaire du 4FA. Ah, ça c'est très donc, important. Le 4FA, c'est notre association qui organise la bourse. Donc, voilà. C'est ça, c'est les organisateurs c'est de la bourse. Tout à fait. Bah écoute, merci et merci bonne continuation à toi. Merci. Et bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Donc là, on va essayer de pas trop faire de bruit parce qu'ils sont en plein tournage. Et donc là, en fait, il y a Luc Bléfaris, les youtubeurs. Il était déjà là sur la vidéo de la bourse du mois d'août. Et là, il est en train de faire du terrascaping de folie pour ses abonnés, pour les gens qui viennent ici. Et en fait, il a fait un système de tombola. Et à la fin de la journée, en fait, le terrarium qu'il a monté, ça va être gagné par les gens qui ont participé à la tombola, sachant que tous les fonds de sa tombola vont à l'association organisatrice de la bourse. Et on lui souhaite un gros force à lui, là. Bon, alors là, il y a toute une partie, en fait, où il y a une exposition sur l'Indonésie, les animaux indonésiens. Donc, vous allez voir, c'est un truc de malade. Il y a plein de sortes d'hydrosaures. Et on va laisser le président du 4FA vous le présenter tout à l'heure. On y revient. C'est vraiment des dingues. J'ai jamais vu ça en bourse, moi. Perso, c'est génial.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, c'est Reptilis, le stand Reptilis. Ah, ça, c'est énorme, ça, c'est génial. Il y a plein de monde, ils ont un stand super grand. Ils ont vraiment plein d'espèces d'animaux à présenter. Et en plus, il y a toute la team. Alors, il y a Clément qui embête Jason derrière la caméra. Mais là, il y a toute la team, Anne-Laure, Tip-Tip et Stéphane. Ils sont très occupés, ils sont avec leurs clients, là. Salut Anne-Laure, comment ça va? Salut, ça va Monsieur Loma Wild? Ben moi ça va bien Monsieur Loma Wild, t'as vu j'ai mis un nœud pape rouge et un pantalon rouge. Voilà, toujours assorti, toujours accordé. De bon goût. C'est ça. Alors comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah on savait pas quoi faire ce dimanche, donc on s'est dit tiens, on va venir. Comment niquer son dimanche? Voilà, c'est ça. Non, bah écoute, on est très heureux d'être à la bourse de Béthune et puis là ça commence un petit peu à bien se vider, on peut respirer un petit peu, mais ça va bien. Je vois ça, hein. Tout était plein ce matin. Oui, tout était plein et on a vendu énormément de bêtes, on est content, les clients étaient contents. Bah, c'est le plus important. Alors écoute, c'est la première fois que le CADFA fait une bourse d'hiver. Oui. Comment t'as trouvé ça en fait? Comparé à la bourse d'été, est-ce que ça marche pour toi? C'est une réussite? Eh ben, ça a super bien marché. Je trouve que c'est une très très bonne idée en fait, parce que c'est vrai que fin août, tu as aussi en même temps, tu sais, le Béthune rétro. Ouais. Et je sais pas si ça apporte du monde ou au contraire, si ça fait conflit un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, du coup, il y a que la bourse aujourd'hui à Béthune et les gens sont venus nombreux, quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait une deuxième session dans l'année. Ouais. D'accord. Mais écoute, je suis assez d'accord avec toi. Alors nous, c'est la première fois qu'on a un stand et on est tout pile en face de vous quasiment. Mais oui, j'ai vu dans tes beaux fauteuils. Ça, c'est méga génial. Bon, allez, force à vous. Bon courage pour la Merci, suite. À tout à l'heure. Abonnez-vous. Salut. Salut Luc. Alors, est-ce que tu veux nous faire ton meilleur récital, Luc? Baby chat toutou doudou. Copyright. Allez. Écoute, on vient te voir ici. Oui. On kiffe un peu ton principe là. En plus, t'as dit que tout partait pour le 4FA dans l'argent que tu vas récolter. Oui. Est-ce que tu peux un peu expliquer à tout le monde, à tous nos abonnés, ce que t'es en train de nous faire ici? Alors, pour faire très simple, déjà bonjour tout le monde. C'est Luc, j'ai envie de vous dire. Bien le bonjour. Moi, ce que aujourd'hui je propose, c'est tout simplement. Alors, le 4FA a mis à disposition tout plein de matériaux différents, terrarium, matos, trucs de. Enfin plein de trucs et aujourd'hui on fait une animation en fait directement pendant la bourse et en fait on fait le terrarium en live, voilà c'est filmé également et on fait tout de A à Z, on part de rien, ce matin le terrarium était démonté, on a tout monté, on fait tout en direct pour une espèce tropicale, on sait pas encore quoi honnêtement, le but c'est qu'il soit une petite espèce tropicale et on fait une tombola, voilà, alors l'argent est récolté pour le 4FA et en fin de journée un ou une d'entre vous et ben va partir avec. Voilà. Hey, ça peut être nous aussi ou pas? Bah, tombola. Même moi j'ai participé, je me suis dit pour 2 balles, peut-être que je peux avoir un tas. Non, je rigole. Donc voilà ce qu'on propose aujourd'hui. Le but c'est pas de faire un truc en mode waouh et tout. On a 7 heures pour faire tout de A à Z. Et il y a du taf. Là il y a du taf. De faire un truc sympa quoi. Donc voilà. Du taf. Et en plus t'as fait de la route, hein, je crois pour venir ici. Ouais, 7 heures, ouais, plus de 7 heures de route on a fait en tout pour arriver. Et puis voilà, tout simplement, le but est là, quoi. Bah écoute, un méga courage à toi pour la suite. Est-ce que tu veux faire un force à vous avec moi? Je sais le faire. Force à vous! Alors les gars, là, la team Reptilis, qu'est-ce que c'est que cet affichage ici? C'est quoi? Eh bien écoute, on a des flexariums et à l'intérieur, on a des caméléons. Vous avez des caméléons? Ça m'a pas l'air d'être des caméléons tout ça. Là, c'est l'hydrosaure. Donc t'as de l'hydrosaure en Boynandi, c'est l'hydrosaure pustulatus. Ouais, ok. Alors ce qui est intéressant à savoir sur les Hydrosaurus pustulatus, c'est que c'est le seul qui est interdit d'importation. Donc là, d'accord. On a toujours des juvéniles nés en captivité. Full NC, ok. Voilà. Ça c'est bien les ça. Les Boynandi, tu peux encore les importer. C'est la plus petite espèce du genre. On a la chance d'en avoir deux. D'accord. Et alors ça, c'était pour être dans le sujet de l'Indonésie, en fait, parce que c'est le thème de l'expo 4FA. Exactement. Tiens, regarde, un petit plan sur un petit pustulatus, là. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc à cet âge-là, comme tu peux voir, ils n'ont pas encore leurs couleurs qui sont caractéristiques. Il n'y a rien qui ressemble plus à un autre hydrosaure qu'un juvénile hydrosaure, enfin, un hydrosaure juvénile, tu vois. Donc en grandissant, ils vont commencer à choper des couleurs, avec notamment des teintes de fluo bleuté violet, là. C'est super joli. Ouais, on est peut-être sur parmi les plus beaux hein, chez les hydrosaures avec ça. Ça dépend des goûts de chacun, tu vois, mais moi je trouve qu'avec les Zomboinensis, effectivement, ça se.
ça se rapproche. C'est les plus colorés, ça marche. Voilà. Merci les gars, à tout à l'heure. C'est pour un striptease. C'est un peu particulier votre vidéo. Salut mon petit Martin. Voilà, donc tout le monde le veut, tout le monde le désire. Il est là, il est rien qu'à moi. Je suis là pour la marque, donc Reptile System, Aquarium et Bird System. Donc là, Bourse de Béthune, on présente principalement les produits reptiles. Ouais. Là, ce qu'on a fait aussi pour l'événement, c'est qu'on a sponsorisé l'événement où s'il y a des volières derrière nous avec des espèces indonésiennes. Et là, on a vraiment fourni tout le matos adapté pour. Et où également, on présente aujourd'hui notre nouveau produit, notre nouvelle sortie, qui est le Golden Infrared, le nouveau système chauffant. Je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux. Ah non, moi je suis pas au courant. Explique pour nos abonnés qui n'ont pas vu. Il suit pas. Si je suis, je vous jure que je suis. Et tu se dis ami quoi. Non mais sans déconner. Non, alors ouais, on a sorti un nouveau système chauffant, ouais, qui est le Golden Infrared. En fait, c'est un système qui permet de chauffer des grandes installations plus facilement que de la normale. C'est aujourd'hui génial, on avait soit un spot chauffant, soit si tu veux le tapis chauffant, etc. Et là en fait on sort un kit, donc ça ressemble à ça. Là c'est un modèle d'Expo que j'ai, où en fait c'est un système métallique, d'accord, dans lequel tu retrouves une ampoule halogène qui te permet de chauffer des installations assez conséquentes. C'est-à-dire que c'est là, on a le 100, 200 et 400 watts qui sont disponibles pour l'instant en France. D'accord. Et tu peux chauffer des zones de 60 cm par 60 cm. Est-ce que c'est thermostatable? Ouais, avec un EVINSTAT, donc un thermostat à pulsation électrique qui permet d'éviter de faire des coupures et d'abîmer le matériel. Et là, tu peux, avec un 200 watts par exemple, à 1 mètre du sol, tu montes à 32 degrés au sol. Ah, c'est fabuleux, c'est génial. Moi, ça m'intéresse votre truc pour ma salle tropicale, là, parce que j'ai des projets en plus bientôt. Une bourse française comme on les aime, on essaye de montrer le savoir-faire français avec des produits de qualité. Je crois que le gars qui tient la perche, il va mourir à la fin de la journée. Putain, il est comme ça, il est et là, je suis en mode, passe-moi un casque, passe-moi. C'est le pauvre Ben, il est hyper fatigué en plus, il en peut plus tenir la perche. Titre. Content de vous voir, content de voir le monde. Tu sais Martin, c'est grâce, tu viens de parler du savoir-faire français, c'est grâce aux marques comme vous, comme Reptile System en fait, que ça permet à l'international de montrer ce qu'on sait faire dans la Terra Radio, et ça c'est important. Alors je te souhaite un méga force à toi pour la suite. Et bon courage parce qu'il va tomber à la fin de la journée. C'est ça, bon courage à Ben. Allez, salut Martin. Salut, salut. Alors, explique-nous un peu tout ce que tu as à me dire. Pas grand chose, je dis rien, je m'en vais. Bah, président du 4FA, donc depuis 15 mois maintenant. C'est ça, en fait, le 4FA, c'est les organisateurs en fait, voilà, de la bourse de Béthune. De la bourse de Béthune, donc en août toujours, hein, qui cette année pour la 24e édition. Ouais, et pour, voilà, et pour changer un peu, bon, en plus, vu le contexte actuel, pour les prix de l'énergie et tout, donc on a décidé de faire une nouvelle bourse, donc en hiver, d'où la première bourse d'hiver pour cette année. Bon, apparemment, ça marchait bien. Apparemment, ça marche très bien. Voilà, les exposants ont répondu présents. Ouais. Pour une première, c'est vraiment, ouais, pour une c'est première, vraiment bien. Franchement, on va être très content. Bon, après, c'est un aboutissement parce que c'est beaucoup de temps passé. Ah ouais, ça c'est sûr. On a voulu faire une scénographie indonésienne. Ouais, donc parle-nous un peu du thème, ouais. Bah, depuis trois mois, bah, en trois mois, on a créé ces 12 mètres avec les volières qu'on a créées. Donc là, les gens, on est sur 12 mètres d'installation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une bâche avec une forêt tropicale. Il y a des hydrosaures. Il y a même un super beau varan. Ok, alors là, j'ai un grand, grand plaisir de vous présenter Max du 4FA. Donc, c'est Max qui a invité Loma Wild, donc Jason et moi, à venir tourner ici, à avoir notre stand et tout. Je te laisse la parole, Max. Raconte-moi tout. Alors, bon, personnellement, moi, quand j'ai vu votre trailer, et surtout la première émission, moi, ce qui m'a attiré tout de suite mon attention, c'était le fait de se fédérer. Et je me dis, c'est qu'on est cruellement en manque de fédération dans la terriophilie. Et je me dis, s'il y a des jeunes qui commencent à bien bouger, et en plus à proximité quand même de l'association, on n'est pas très loin, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on les fait venir, et puis il faut qu'on communique, et puis se fédérer, il faut qu'on se bouge. Comment se passe ta bourse? Est-ce que c'est un succès ou pas? Alors, le ressenti. Alors moi, le problème, c'est qu'en tant que trésorier d'association, je participe activement, mais alors pour le coup, le jour de la bourse, en cuisine. Donc j'ai passé ma journée à faire la nourriture pour tout le monde. Et mais le ressenti est que apparemment ça a bougé beaucoup plus qu'en août, alors que c'était déjà une édition post-Covid assez intéressante. Très content et puis à récidiver quoi. Bon maintenant, quoi faire de mieux que ce qu'on a fait là pour l'édition d'hiver, ça va être compliqué. Mais on va essayer de réfléchir dès aujourd'hui. Profite d'avoir un petit peu, c'est pour
d'annoncer quand même le dernier dimanche d'août, notre traditionnel Bourse aux Reptiles. Hein, donc toujours le dernier dimanche d'août, en même temps que Béthune Rétro. Donc c'est de la musique, des belles voitures, des reptiles. Et logiquement, c'est encore une édition où ça va bouger. Les gens, on vous invite à aller voir la vidéo du mois d'août, donc l'autre vidéo qu'on a déjà postée sur la Bourse aux Reptiles de Béthune. Et on vous invite bien évidemment à venir ici aux Bourses de Reptiles de Béthune organisées par le CATFA au prochain mois d'août. Max, un très grand merci à toi pour tout. Force à toi et à la prochaine. Force à vous. Allez, tchuss les gens. Bonne soirée. Merci Max. Et voilà, retour au stand Loma Wild. Du coup, on est content, il y a TD, il nous fait un travail de malade, il interpelle les gens, il fait son commercial de service, ce qui va nous permettre en fait d'assumer plus facilement la chaîne YouTube. Effectivement, en fait, Loma Wild, ça nous coûte quand même super cher et ce genre de bourse, bah nous, ça nous file un gros coup de main. Et ensuite, nous, on veut aussi mettre en avant le CATFA, parce que c'est local, c'est chez nous, c'est du béthunois, et ils font un travail fabuleux, leur bourse, c'est un succès total. Ils nous ont permis du coup d'avoir ce stand directement à l'entrée et en même temps à la sortie pour nous représenter, et ça, c'est vraiment méga force à eux, merci le CATFA. Pour notre premier stand à la Bourse aux Reptiles de Béthune, on a décidé de faire une tombola où le premier tirage qu'on va récupérer de l'urne fera gagner en fait une visite de notre salle tropicale et de nos studios de tournage. Donc on va tirer en fait les lots un par un. Il y a des enfants qui sont là pour ça. Il faut savoir que le deuxième et troisième, ils auront aussi des lots, donc tout ce qui est goodies, des mugs et des gourdes Loma Wild. Allez, Mathéo, la première. Allez, c'est parti. Anthony Delporte, si tu vois cette vidéo, sache que tu as gagné une visite des studios Loma Wild. Tu vas visiter la salle tropicale, passer un moment avec nous. On pourra aussi visiter nos studios de tournage. Allez, deuxième lot, c'est parti. On a tiré donc Megan Catlin, bravo à toi. On va te contacter très prochainement, hein, si tu vois cette vidéo, pour t'envoyer ou se rencontrer afin qu'on te donne tes lots. Donc tu as gagné une gourde Loma Wild. Lucas Bourré, j'aime bien son nom. Écoute, tu viens de gagner donc la troisième place, tu as gagné un mug Loma Wild. On va revenir vers toi très bientôt pour se rencontrer, te le donner en main propre ou te l'envoyer directement. Félicitations à tous les trois. Salut la commu. Allez, c'est bon là, ça se moque, ça se fout littéralement de ma gueule.